c'est Gaz, c'est Maxwell59 et on se retrouve aujourd'hui pour voir comment nous allons récupérer le cinquième joueur échange vu du mois de novembre. Donc voilà, tout simplement, ça se passe pas dans le SBC, ça ne se passe pas dans les objectifs hebdo ou quotidiens, ça se passe dans les clashs d'équipe. Voilà, tout simplement, on va pouvoir jouer d'ailleurs contre l'équipe d'Imagine Dragons, voilà, très bon groupe de musique. Et si nous regardons dans les récompenses, nous voyons qu'effectivement, à partir de l'argent 3, nous avons Amethan spécial à récupérer. Donc voilà, il faut savoir qu'argent 3, j'ai noté à côté, argent 3, pour faire argent 3, il fallait avoir 2600 points. Donc voilà, en gros, vous faites 3-4 matchs, selon le niveau auquel vous jouez, ça devrait le faire. Donc par contre, ça risque d'augmenter un petit peu, parce que du coup, pas mal de monde va au moins faire argent 3 pour le faire. Donc du coup, ça risque d'augmenter. Donc pour être large, à mon avis, vous faites 4000 points et ça va le faire. Donc voilà, il est dispo à partir de l'argent 3 jusqu'à top 1. Donc si tu fais top 1, tu n'as aucun souci à avoir, tu l'auras. Donc voilà, élite, machin, tout ce que tu veux, hop. Hop hop hop, il est dispo là-dedans. Donc les gars, ça va être le cinquième et on attend de voir où vont être les autres. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a aidé. Ne ratez pas ce joueur échange chute. Si vous faites Pedro, il n'y a pas le droit à l'erreur. Le mois dernier, on avait le droit à deux erreurs pour avoir El Shaarawy et Lallana. Ce coup-ci, si vous voulez Pedro, faut pas d'erreur. Et si vous voulez Plaque à 100K, vous avez le droit à une seule erreur, un seul oubli de joueur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très très vite, portez-vous bien et like and sub.